Bruno, bonjour. Bonjour. On ne présente pas Bruno Liger, nom de scène Le Grizzly, spécialiste du dobro. Mais tu es aussi auteur, compositeur, interprète. Tu viens de sortir un nouvel album, Bound for Glory, qui inclut la chanson-titre de l'album, faisant elle-même l'objet d'un single de Didier Beaumont. Pourquoi ce choix ? Alors, on travaille depuis un an avec Didier Beaumont ensemble. Et il est sérieusement à l'origine de l'idée que je fasse un album. Donc, moi, je souhaitais absolument qu'il y ait des titres à lui, qu'il interprète, des titres qu'il a écrits aussi sur l'album. Et donc, on a eu l'idée de faire une création qui serait destinée à être chorégraphiée ici, à Santa Susana. On en a eu la primeur voilà, déjà. Par Marie-Claude Gilles, et d'écrire la chanson spécialement à cet effet. Donc Didier s'est chargé de l'écriture et de la réalisation. Quelques petites idées de ma part glissées pour participer au truc. Et on a eu le single Bound for Glory. Voilà, donc on travaille vraiment en collaboration étroite et... En fait, on va dire que vous êtes deux partenaires. Il m'a jeté dans le vide pour que je fasse un album et je me suis raccroché à ses bras pour Moi, qu'il y participe. Au final, on n'est pas déçus. Je crois qu'on a eu cette primeur. Je l'espère fortement. Et oui, et c'est une bonne idée que vous avez eue, très certainement. De la composition de cet album. Alors, il y a 11 titres sur l'album, plus ou moins moitié-moitié de création et de reprise. Des titres qui sont chantés par Didier Beaumont, d'autres que je chante moi, certains que j'ai écrits, d'autres qu'il a écrits lui, des nouveautés, des reprises, et ce qu'on appelle des covers, des reprises de morceaux connus que je chante, ou ce qui m'intéressait fortement dans cette aventure-là, c'est avec l'instrument, pour les instrumentaux, de me placer comme un chanteur. De remplacer la voix par le dobro. Donc c'était une grande partie de l'aventure que j'ai tenté avec cet album, de faire des instrumentaux qui ne soient pas de la musique pour instrument, mais de la musique telle que se comporte la voix, généralement. Voilà. Ok, ça t'a mené vers une transformation, vers une certaine mutation. C'était une idée que j'avais depuis longtemps, que j'ai profité de l'occasion de cet album pour tenter. Et visiblement, ça fonctionne assez bien. Ça a l'air, je confirme. Donc, après, il y a eu Bound for Glory, le single de Didier. On va le montrer. Voilà. Il y aura un deuxième single qui va sortir avec une chorégraphie aussi, qui sera faite par Agnès Gautier. Cette fois-ci, oui. En début décembre, du côté d'Alès, elle sera présentée pour la première fois. D'accord. Et ça, c'est une créa, une chanson que j'ai écrite et que j'interprète. Dans quel cadre sera-t-elle présentée ? Sur une soirée où Agnès Gautier viendra faire un workshop. Donc elle présentera la chorégraphie et pour la première fois, j'interpréterai le titre sur scène. Bien. Un peu dans le même esprit que ce qu'on a fait ici à Santa Susana avec le Bound for Glory. Je pense qu'on sera là. Eh bien, maintenant, écoute, il y a une chanson qui nous intéresse particulièrement. Tu interprètes Your Man de Joss Turner, qu'on apprécie beaucoup, évidemment. Est-ce que c'est la similitude de vos voix qui t'a fait choisir ce titre ? Alors, oui pour la similitude, et c'est pas totalement moi qui ai choisi le titre. J'ai eu plusieurs fois des fans qui m'ont demandé pourquoi j'interprétais pas du Joss Turner, justement. Et la deuxième raison, c'est que c'est un morceau écrit par Chris Stapleton, qui est un artiste que j'admire beaucoup, que j'apprécie énormément, qui a une patte dans l'écriture, non seulement à défendre sur scène, mais dans l'écriture, quelque chose de magnifique. Et voilà, j'avais envie de me lancer dans l'aventure très risquée de me confronter à Joss Turner. Oui, là tu as pris des risques, mais apparemment ça s'est bien passé. En tout cas, les fans ne se sont pas plaints. Oui, mais je confirme aussi. Et bien écoute, pour terminer, je vais te laisser le champ libre. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre ?
C'est toujours les questions, peut-être qui intéressent le moins de personnes, mais les histoires d'inspiration. La question du pourquoi n'est pas souvent posée. Et toute ma vie artistique autour du dobro vient d'un titre joué par Jerry Douglas au dobro sur une chanson de Dan Fogelberg qui s'appelle Sutter's Mill. Le jour où j'ai entendu cette chanson, ma vie artistique bien sûr pour le reste, a complètement changé. Ce jour-là, je me suis dit, j'ai entendu ça, je veux faire ça. Et tu jouais du dobro déjà ? Non. Donc voilà. Ça a tout changé. Déjà, l'être humain, c'est venu comme ça. Alors l'inspiration, tu parles de cette inspiration. Oui, des choses qui dans la vie nous font prendre des grands virages, nous portent, nous propulsent. C'est ça pour tes chansons aussi. Mm-hmm. L'inspiration vient de là. Mm-hmm. Oui, quelquefois ça vient d'un événement ou d'un ressenti. Fois d'une une image saisie dans un film. Oui. Des fois d'une discussion à table, comme on a vu avec Dan Albro l'autre jour. On a commencé à écrire une chanson à table. Ah. C'est parti d'une bête discussion. Petite naissance. Voilà. Oui. On peut comprendre ça. C'est relativement classique en fait. Je pense aussi malgré tout l'inspiration vient de la vie de tous les jours quelquefois. Oui, ou des fois d'événements surprenants qu'on n'a pas du tout prévus. Inattendus. Voilà. Eh bien écoute, on ne va pas te garder plus longtemps puisque tu as sûrement affaire. Merci à vous. On te remercie et tu nous as éclairé sur ce qu'on voulait savoir de toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, pour ma part, je vous dis au revoir. On va souhaiter la même intensité dans la tournée à Bound for Glory que nous avons eu la chance d'avoir sur White Whiskey. À bientôt. À bientôt, Bruno, et nous, on reste sous le charme.